Hello à tous, bonsoir monsieur Diamant. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour continuer Atomic Heart. La dernière fois, nous avions repris l'aventure après un bon moment sans y avoir touché. Donc on était dans un musée, puis on a dû récupérer des morceaux d'un robot en se faisant défoncer la gueule plus d'une fois par une putain de bestiole faite de vignes ou de trucs chelous. Mon chat qui dit bonjour, n'est pas? Bonjour le chat. Et il y a le épignouf derrière. Oui, je suis là, bonsoir. Voilà. Salut zombie, comment vas-tu? Là je sais plus trop ce qu'on doit faire. Alors on a eu aussi un gros trip avec le perso, c'est pas compris ce qui s'est passé. On a été pseudo assommé apparemment. Enfin comme si on avait été assommé, sauf que pour moi clairement je pense qu'on est juste manipulé cérébralement par le gant. Et du coup on a dû. Pour moi je pense qu'on a buté clairement le mec qui voulait faire enferme. Enfin qui voulait faire passer devant la justice notre patron de mémoire. Du coup Bolivolo. Donc on va voir si on a plus d'infos aujourd'hui ou pas. C'est parti. Va le chat, je te dérange pas. Alors, voilà. Et pas moi, chien, pas moi. Je suis pas là, et pas moi. C'est trop fou là. J'entends rien du jeu. La vaseline pour ce que les robots vont te faire. Je sais pas. Sur un gros, ça doit aller. Dites, il y a une chance pour que Petrov arrive à duper le central? Je veux dire, il n'a pas été programmé par des bras cassés. Ils ont dû protéger le truc. Eh bien, pirater le central de collectif est extrêmement difficile. Même avec le bon équipement de communication, Petrov aura besoin de temps pour y parvenir. Et où est-ce qu'on trouve ce genre de matos, à part au centre scientifique? Uniquement à bord du complexe volant de Chelomé. Nulle part ailleurs? Tant mieux. Petrov, tu vas payer, espèce d'enfoiré de traître. Et calmez.
Ah ouais, ça. Au fait, Charles, on étudie quoi au centre de cette chaîne off? Les ondes radio, camarade major. Son équipement risque de les trop à vous détecter, alors prenez garde. Ok, on va éviter de faire trop de bruit. Oh. Ah, passez bonne journée. Hop. Niveau d'alerte, zéro. Autant mieux. On va se regarder tant qu'on peut. Autorisation. Major Netchat. Accès autorisé. Hop, on va enlever un petit pour en prendre un moyen. Et je pense qu'on bon. Le petit pistolet pour l'instant, bon. Attends, mais c'est mis. Je laisse. Je vais prendre un grand. Ça, je sais plus quoi. Pour la grosse Bertha, je l'ai pas. À mon avis, j'ai raté un truc. On va prendre une cartouche électrique. Hop, let's go. Allez, on va péter les mouilles. Allez. Grade surveillance. Et. Voilà, ni vu, ni tout nu. C'est pas ton chat la grosse Bertha? Non, elle s'appelle pas Bertha mon chat. Seul toi. Ah.
Ni vu ni tout nu. Viens là toi. Ça mouille. Montre-moi ce que tu sais faire. Il va péter lui. Ah, brasse. En même temps frère bon, un peu abusé sur le fait d'avoir des réparateurs toutes les 2 secondes en fait, donc pas trop faire mieux que ça quoi. Montre-moi ce que tu sais faire. Oh putain, toujours plus. Moi, Isaac Schnipperson déclare par la présence que j'ai de mon propre chef et sans autorisation de profiter le 23 mai entre 23h04 et 23h56 sur lequel mon poste est de l'équipement d'utilisation pour gérer le système de contrôle d'un satellite à double usage appartenant aux États-Unis d'Amérique. Prenant le contrôle du dit satellite, j'ai modifié sa trajectoire de vol afin qu'elle affiche un texte insultant, pardon, autant qu'indécent sur les écrans de contrôle du centre. Je ne répéterai pas le contenu du texte en question. Suite à une enquête, j'ai reconnu ma culpabilité. J'atteste à être conscient qu'aucun conflit politique ou désaccord idéologique entre nations ne peut servir de prétexte à un comportement non professionnel et je regrette sincèrement d'avoir causé des désagréments à mes collègues américains. Je m'excuse de mon acte, je reconnais mes torts, j'accepte toute sanction disciplinaire en découvre. Pitié pas les claquements de doigts, putain.
Je déteste le truc avec les claquements de doigts, c'est casse-couille. Bon, et ta grand-mère aussi, peut-être un peu. C'est de la merde ce truc, mon dieu, au secours. En fait, il n'y a aucune logique. Je comprends pas comment c'est censé marcher de façon à y arriver à chaque fois du premier coup, en fait. C'est ça que je comprends pas. C'est archi chiant en fait. Voyons de quoi t'es capable. Je m'échouis. Petrov est tout prêt, camarade major. La ferme. Ta mère, hein? Oui, d'accord. Alors là.
Donne-moi ça, tu veux bien? Prochaine fois, faites plus débile encore la prochaine fois. Allez frère, lâche-moi les couilles toi aussi. Putain de robot. Use fils de. T'as rien. Hein. C'est ta grande sœur. Hein. D'accord. Tiens, tiens, regardez qui voilà. Oh oui, bah oui. Tiens. Mais tu l'as tué. Ça suffit, Victor. Il y a eu assez de morts comme ça. Je l'ai juste étourdi. Il est inconscient, d'accord? Arrête, Caillou. Elle trouve un être. Telle est la question. Surtout qu'en plus, j'ai des origines, alors... Les coups et les revers d'une injurieuse fortune, ou à s'armer contre elle pour mettre un frein à une marée de douleur. Ça va pas, ça va pas. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Je suis désolé, Larissa, mais je ne comprends pas. Il a tout gâché, et toi, tu... Je suis médecin. Beaucoup trop de gens sont morts aujourd'hui. Mais c'est un animal, Larissa. Un vrai bulldog. Un chien d'attaque. Il tuera quiconque cette chaîne lui ordonnera de tuer. Victor, il est attaché. Je mets en place un traitement et on s'en va. Pour aller où? Personne ne va venir nous chercher. Et ce connard a grillé notre porte de sortie. Je sais. On va bien trouver quelque chose. Ça m'étonnerait. Laissez-moi partir. Et je vous promets une fin rapide. Et sans douleur. Tiens, il sait parler le toutou de cette chaîne. Regarde, il refait à peine surface qu'il nous menace déjà. Ouais, évidemment que je vous menace. Combien de personnes vos petits robots ont-ils tués sans sommation, Petrov? 2000? 3000? Victor n'y est pour rien, c'était un dysfonctionnement interne. Un dysfonctionnement interne? Alors pourquoi il n'a pas une égratignure, votre petit copain, hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que c'est pas évident.
D'abord Vavilov, puis le VDNH. Oui, j'ai des origines. Tout le monde, sauf vous deux. Pourquoi ça? Mais t'es remonté il y a plusieurs centaines d'années, je crois. Quelques centaines d'années, je sais plus précisément, mais. Victor, tu m'as dit que t'avais rien à voir là-dedans. Et vous l'avez cru. Qu'est-ce qui vous a raconté d'autre, ce guignol? Oh putain. Victor. J'avais pas le choix. Un simple dysfonctionnement n'aurait rien changé. Comment as-tu pu? Hein? Comment j'ai pu quoi? Et tu disais toi-même que le monde risquait de disparaître. Hein? Non, ne me touche pas. Vous n'y avez vraiment rien dit du tout, pas vrai? Grossière erreur. Hé, hey, on se casse. Larissa, attends! Larissa! Toi, c'est cadrage, je te jure. Connard. P3 à Tchelomé. Petrov, c'est barré. Encore. Vous semblez apprécier de le traquer, Netchaïev. Petrov ne doit pas interférer avec le lancement de collective. Trouvez-moi. Ah, c'est là que j'ai atterri, d'accord. Vous vous êtes attiré le courroux du sorcier, Major. Ah ouais? Foutez-moi la paix, vous. Le robot est venu te sauver, je te jure. J'en ai déjà parlé à Notov, mais il m'a demandé de voir avec vous car il prétend que c'est de votre ressort. C'est à propos de la camarade Muraviova. Putain, le nom. Les interférences que sa cabane génère sont bien supérieures à celles d'une station de forte puissance. Il s'agit d'un site secret maquillé en cabane de paysan. Dites-le moi que je la référence comme telle. En revanche, c'est la camarade Muraviova. Agir de son propre chef, je vous suggère de l'arrêter car ses interférences rendent toute surveillance rigoureusement impossible. Il y a d'autres trucs à lire. Oh, ça merde. Une cage jointe. Salut oh. Maria, dis donc, tu pourrais me faire une couleur demain? J'ai les racines qui commencent à se voir et j'ai l'impression de ressembler à la vieille Zina, c'est une horreur. Est-ce que 19h s'attirait? Allez, sois sympa. Ne le regrettera pas, mon mari vient de ramener des poissons énormes d'Astrakhan. Crois-moi, c'est mieux que t'avais à Pavlov, je t'en ramène un si tu veux, d'accord? Pavlov, Nami, alors, étant donné que mon nom de famille IRL a déjà une sonance, enfin, est russe, mon prénom, par contre, je sais pas concrètement comment on pourrait dire mon prénom en russe. Ah c'est ça, c'est Piotr ou Petre. C'est bien ça. J'avais un doute, mais j'avais déjà fait une recherche il y a longtemps. Pitié pas le claquement de doigts, j'en peux plus. Oh ta grand-mère.
Non, c'est Piètre, tout court. Comme TP. Vraiment plus simple. Casse de là, non. Le ras-le-bol de ces saletés de méchouilles. Pas avoir de mes nouvelles ? J'attendais que ça, au contraire. Je rêve de vous démolir. J'arrive, fumier. Croyez-moi, les préparatifs sont en cours et les surprises ne manqueront pas. Vous avez retourné Larissa contre moi. Elle ne me rappelle pas. Ça me fend le cœur. Si vous saviez comme je m'en tamponne de votre relation de merde. Charles, d'où vient le signal ? Où est planqué ce fumier ? Le signal provient du théâtre Plissetskaya. Un théâtre ? Ici, dans le site ? Mais quel clown, putain ! C'est un théâtre, camarade major, pas un cirque. Je vous l'indique. Je m'en bats les steaks. Je laisserai pas ce traître s'en tirer une nouvelle fois. Écoutez, major, il est pas trop tard. Nous pouvons encore conclure un accord. Je marchande pas avec les traîtres. Vous avez buté des milliers de gens. J'ai essayé de faire capoter le projet Cœur de l'Atome. Vous savez tout le sang qui sera versé quand il sera mené à terme. Arrêtez tout, ou des millions de gens mourront. C'est quoi ces conneries de Cœur de l'Atome ? Je comprends rien à ce que vous dites. Comment ? Le maître n'a pas expliqué le plan à son chien d'attaque ? Vous n'êtes pas digne de confiance, Major ? Étonnant. Vous ne seriez donc pas encore une cause perdue ? Ah bon ? C'est mon jour de chance, alors. Et vous allez me dire quoi, traître ? Je vais vous le dire. Cette chaîne 9 a l'intention de transformer tout le monde en pantin. Et il n'hésitera pas à sacrifier des millions de gens pour atteindre cet objectif. C'est pour ça qu'il inonde le monde de robots. Vous êtes un grand malade, vous. Je sais pas pourquoi, mais je le crois. Vous avez l'intention de continuer à raccrocher comme une écolière capricieuse, Major ? Et si vous me laissiez finir ? Bon, de toute façon, le tribunal voudra des témoignages. C'est très simple, Major. Il y a 4 ans, en 1951, les États-Unis ont lancé un projet ambitieux, l'énergie pour tous. Chaque petit écolier est au courant. Même vous, vous devriez le savoir. Je sais, les capitalistes américains ont construit 50 centrales nucléaires dans tout le pays pour s'engraisser davantage en vendant l'électricité aux classes ouvrières. Alors que ces mêmes ouvriers peuvent à peine joindre les deux bouts à cause de la pauvreté et du chômage de masse. Parce qu'ils ont été virés à cause des robots de cette chaîne 9. Ils coûtent moins cher que les humains. C'est pour ça que les capitalistes licencient autant. Je vois. Et ça serait de la faute de ces Chenov. Nos robots leur ont construit 50 centrales en 4 ans, ce que des humains auraient jamais pu faire. Pauvre taré. Osez vouloir gagner du temps à un moment pareil. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi ces Chenov répand ses robots partout dans le monde, Major ? Êtes-vous seulement capable d'augmenter la portée de leurs capteurs ? Vous les avez... Ce gros fumier de Petrov se planque derrière des rangées de robots. Il veut survivre, c'est tout. Mais c'est vrai, camarade Major. Maintenant qu'il est dans le théâtre, il ne peut plus s'enfuir. Il joue son Vatu. Je t'en foutrais des Vatu, moi. Ah, oh, putain de méchouille. C'est un machin de ce genre qui a failli me griller au village forestier. Oui, mais maintenant vous êtes armé, camarade. On ne pourra pas entrer dans le théâtre tant que ce friand en garde l'entrée. On sera à l'intérieur en 5 minutes chrono. J'ai hâte de me venger de cette salle. Congélation supérieure. Certains ennemis résistent à l'engelure normale. Utiliser une projection de polymère pour effectuer les effets du froid, du feu et de l'électricité. Ah, intéressant. Intéressant. Ah merde, j'ai pas de soin.
Ah, fils de pute. Touche. Je vais mettre le robot au frais. Bien. Alors, ça te plaît. Tiens, tiens. Ah putain, bien sûr. Ah putain, j'avais réussi à le mettre à moitié. Fumier. Rigo. Ah. Et chier. Machin de ce genre qui a failli me griller au village forestier. Oui, attends, vous êtes. Alors, ça te plaît ? On ne pourra pas entrer dans le théâtre tant que ce friand nous garde l'entrée. Enfin, avec le peu de vie qui me reste, c'est pas ouf de m'avoir mis directement en combat contre lui. Quoi. Envoie des météorites à la gueule, je te jure. Fais gaffe quand tu fais ça. En fait, je comprends pas comment je suis censé esquiver ça.
pied bleu contre le bordel. C'est ça. Rien. Putain. Frère, je peux pas en fait. Là, si j'ai pas de. Ah, puis j'ai même pas le droit de. Putain, super. J'ai même pas le droit de sortir en fait. Je suis bloqué. Là, littéralement, le jeu m'a fait nique ta mère. Faudrait que je vois ce que c'est points faibles, mais là, concrètement, je suis un peu bloqué, quoi. C'est un machin de ce genre qui a failli me griller au village forestier. Oui, mais maintenant, vous êtes armés, camarades. On ne pourra pas entrer dans le village tant que ce... Viens un peu ici, saloperie. On sera à l'intérieur en 5 minutes chrono. J'ai hâte de me venger de cette saloperie. Alors, ça te plaît? En fait, j'ai l'impression qu'il faut que je vise la tête. Sérieux? Ah, au bout d'un moment, quand je t'esquive, j'aimerais bien que ça fonctionne, quoi. Je peux même plus les... J'ai même plus le droit de l'esquiver en fait. Là, le jeu me dit va te faire enculer quoi. Sauf que là, concrètement, je sais même pas comment je suis censé me débloquer. Là, je suis full buggy quoi. Enfin, c'est pas buggy, je suis juste coincé en fait. Putain. C'est un machin de ce genre qui a failli me griller au village forestier. Oui, mais maintenant vous êtes armés, camarade. On ne pourra pas entrer dans le théâtre tant que ce friand en garde l'entrée. On sera à l'intérieur en 5 minutes chrono. J'ai hâte. En 5 minutes chrono, je prends pas une seule seconde. Je sais pas comment j'ai fait pour esquiver ça, mais...
Je peux pas, en fait. Là, concrètement, je peux juste... Je suis juste bloqué, là, en fait. Ah, puis ma dernière sauvegarde, elle date d'avant. Ça fait chier, quoi, merde. Mal foutu, le truc, là, par contre. Moins que... Là vraiment c'est le pire boss tout jeu confondu que je me suis frité quoi. Ah putain, il me force à aller là. Putain. Oh les putain de fils de pute. C'est un machin de ce genre qui a failli me griller au village forestier. Ah mes frères, c'est dégueulasse. Laissez-moi sortir, non? Tant que ce friand en garde l'entrée. On sera à l'intérieur en 5 minutes chrono. Ah non, on sera pas dedans 5 minutes chrono, non, je suis en train de perdre une demi-heure du bordel là, super. Putain, et c'est vraiment de la merde dans leur système de sauvegarde dans un combat de boss. C'est quoi ça? Ah le jeu, je vais lui mettre une note salée mon con. Là pour l'instant le jeu, j'ai vu énormément de défauts dans le jeu. Il y a trop d'ennemis. Les points de sauvegarde sont à chier. Ils te font sauvegarder littéralement au niveau d'un boss, c'est de la grosse merde. Accès autorisé. Ça me dégoûte. Putain, perdre une demi-heure pour cette merde, quoi. Fou les nerfs. Là, franchement, ça n'a aucun sens. Ah, oh, faut que je me retape les trucs de brin. Vous savez quoi, Fucky? Je peux même pas me faire chier à les frapper, les machins. Ouais.
Même les lianes, limite, je les trouvais plus simples à ce rythme-là. Pourtant, il était énervé le bordel. Hein. Merci. Petrov est tout prêt, camarade major. La ferme. J'allais me taper tout le tour. Hein. Voilà, maintenant faut que je remonte. Je peux pas passer à la cinématique là, sérieusement. Tiens, tiens, regardez qui voilà. Eh, on est reparti pour pour 10 minutes de cinématique qui sert à que pouille. Mais tu l'as tué. Ça suffit, Victor. Il y a eu assez de morts comme ça. Je l'ai juste étourdi. Il est inconscient, d'accord? Être ou ne pas être, telle est la question. Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à endurer les coups et les revers d'une injurieuse fortune ou à s'armer contre elle pour mettre un frein à une marée de douleur? Ça va pas, ça va pas, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Ça c'est chiant de pas pouvoir passer les trucs. Mais je ne comprends pas. Il a tout gâché et toi tu... Je suis médecin. Beaucoup trop de gens sont morts aujourd'hui. Mais c'est un animal, Larissa. Un vrai bulldog, un chien d'attaque. Il tuera quiconque cette chaîne lui ordonnera de tuer. Victor, il est attaché. Je mets en place un traitement et on s'en va. Pour aller où? Personne ne va venir nous chercher. Et ce connard a grillé notre porte de sortie. Je sais. On va bien trouver quelque chose. Ça m'étonnerait. Laissez-moi partir. Et je vous promets une fin rapide et sans douleur. Tiens, il sait parler le toutou de cette chaîne. Regarde, il refait à peine surface qu'il nous menace déjà. Ouais, évidemment que je vous menace. Combien de personnes vos petits robots ont-ils tué sans sommation, Petrov? Vous me réveillez quand c'est fini. 3000. Victor n'y est pour rien, c'était un dysfonctionnement interne. Un dysfonctionnement interne. Alors pourquoi il a pas une égratignure, votre petit copain, hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que c'est pas évident. D'abord Vavilov, puis le VDNH. Les robots attaquent tout le monde, sauf vous deux. Pourquoi ça? Si c'est pas vous qui les contrôlez. Victor, tu m'as dit que t'avais rien à voir là-dedans. Et vous l'avez cru? Qu'est-ce qui vous a raconté d'autre, ce guignol? Oh putain. Victor? J'avais pas le choix. Un simple dysfonctionnement n'aurait rien changé. Comment as-tu pu? Hein? Comment j'ai pu quoi? Et tu disais toi-même que le monde risquait de disparaître. Hein? Non, ne me touche pas. Vous n'y avez vraiment rien dit du tout, pas vrai? Grossière erreur. Hé, hey, on se calme. Par contre, pareil, hein, le jeu d'acteur,
Par moment, il pue. Toi, tu perds rien pour attendre, connard. Il y a des moments vraiment où le jeu d'acteur au secours. C'est quel jeu? Ah oui, c'était Phantasmagoria avec le jeu d'acteur qui pue la mort. P3 à Tchelomé. Petrov, c'est barré. Encore. Vous semblez apprécier de le traquer, Netchaïev. Petrov ne doit pas interférer avec le lancement de collective. Trouvez-moi ce criminel. Vous vous êtes attiré le courroux du sorcier, Major. Ah ouais? Foutez-moi la paix, vous. Obscur. Allez par là. Gabriel Knight, un meilleur jeu d'acteur. Je sais pas qui c'est. Là comme ça, je vois pas qui c'est Gabriel Knight. Déjà libre, Major? Quoi? Vous ne vous attendiez pas à avoir de mes nouvelles? J'attendais que ça, au contraire. Je rêve de vous démolir. J'arrive, fumier. Croyez-moi, les préparatifs sont en cours. Et les surprises ne manqueront pas. Vous avez retourné Larissa contre moi. Elle ne... Autorisation. Major Netchaïev. Comment s'est passé de votre journée, monsieur? Bon, longue, chiante, la routine. Accès autorisé. Ça, le polymère, c'est bien ça. Pouvoir créer du polymère. Ah oui, le garçon. Je sais pas ce que j'ai enlevé. Le bouclier en polymère. La santé perdue est recyclée en énergie. L'amélioration des armes ajoute une cellule d'alimentation à leur chambre de recirculation. Les lecs.
Les cibles secondaires touchées par une série. Résistance aux dégâts physiques accrue. Hop. Donc là, en théorie, je fais rater. Voilà. Oh oui, parfait. Moi aussi je suis poli mais... Oh zombie. Oh ton jeu de mots, secours. Et c'est celui-là pour la poli. On re-sauvegarde. Améliorer les dégâts de ma calache ou pas? De la Kalashnikov. En vrai, ouais, installer ça. Ah, j'ai pas le plan qu'il me faut pour ça. Venir arrière. Ça, c'est le truc de base. Là, je pense bon. Projection de polymère. Utiliser les polymères pour augmenter les effets du froid, du feu ou de l'électricité. Bah, c'est concrètement ce qui est... En fait, le truc, il m'a sorti ça au moment où je me tapais le boss, quoi. Donc, c'est un truc que j'aurais pas pu débloquer, quoi. Nous pouvons encore conclure un accord. Je marchande pas avec les traîtres. Vous avez buté des milliers de gens. J'ai essayé de faire capoter le projet Cœur de l'Atome. Vous savez tout le sang qui sera versé quand il sera mené à terme. Arrêtez tout, ou des millions de gens mourront. C'est quoi ces conneries de Cœur de l'Atome? Je comprends rien à ce que vous dites. Comment? Le maître n'a pas expliqué le plan à son chien d'attaque? Vous n'êtes pas digne de confiance, Major? Étonnant. Vous ne seriez donc pas encore une cause perdue? Ah bon? C'est mon jour de chance, alors. Et vous allez me dire quoi, traître? Je vais vous le dire. Tchenov a l'intention de transformer tout le monde en pantin. Et il n'hésitera pas à sacrifier des millions de gens pour atteindre cet objectif. C'est pour ça qu'il inonde le monde de robots. Vous êtes un grand malade, vous. Vous avez l'intention de continuer à raccrocher comme une écolière capricieuse, Major? Et si vous me laissiez finir? Bon, de toute façon, le tribunal voudra des témoignages. C'est très simple, Major. Il y a 4 ans, en 1951, les États-Unis ont lancé un projet ambitieux, l'énergie pour tous. Chaque petit écolier est au courant. Même vous, vous devriez le savoir. Je sais, les capitalistes américains ont construit 50 centrales nucléaires dans tout le pays pour s'engraisser davantage en vendant l'électricité aux classes ouvrières. Alors que ces mêmes ouvriers peuvent à peine joindre les deux bouts à cause de la pauvreté et du chômage de masse. D'accord, je peux pas péter le mal en bois. Ils ont été virés à cause des robots de 7G9. Ils coûtent moins cher. Un peu honteux, je l'admets. C'est pour ça que les capitalistes licencient autant. Je vois. Et ça serait de la faute de ces Chenov. Nos robots leur ont construit 50 centrales en 4 ans. Ce que des humains auraient jamais pu faire. Pauvre taré. Osez vouloir gagner du temps à un moment pareil. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi ces Chenov répand ces robots partout dans le monde, Major? Êtes-vous seulement capable de réfléchir par vous-même? Ben non, évidemment. C'est dur de réfléchir. Et y'a que vous pour savoir le faire. Pas vrai? Eh bien, vous savez quoi, Major? Il serait peut-être temps de commencer. Réfléchissez. Le RSS donne ses robots gratuitement. En tant qu'aide humanitaire. Mais fabriquer ces robots coûte une fortune. Il faut dépenser d'énormes quantités de matières premières et d'énergie pour les produire. C'est parce que le camarade Tchétchenov veut faciliter la vie de tout le monde. Il se fout de l'argent. Les robots iront trimer dans les mines et les usines pendant que les gens leur donneront des ordres. Mais pas les connards dans votre genre. Vous avez pris la mauvaise décision, Major.
ne me touchez pas. Je vais me gêner, sale traître. Vous allez payer pour vos crimes. Imbécile primitif. Crétin. C'est vous qui allez causer la mort de millions de personnes par vos actions stupides. Et les survivants finiront esclaves. Contrairement à vous, j'ai encore buté personne. Vous n'êtes qu'un stupide chien d'attaque. Une brute sans cervelle. Je n'ai pas capable de comprendre l'évidence. Mais non, je ne me rendrai pas. Vous ne me tuerez pas. C'est moi qui ai toutes les cartes en main. Et ceci est ma performance. L'état émotionnel de Petrov est tel que j'en viens à douter de sa stabilité mentale. J'en ai rien à foutre. De toute façon, je vais l'amener au camarade Setchenov par la peau du cul. Le théâtre est au milieu d'un lac. Il n'y a pas d'issue, il est coincé. Putain de méchoui. C'est un machin de ce genre qui a failli me griller au village forestier. Allez. Oui, mais maintenant vous êtes armés, camarades. On ne pourra pas entrer dans le théâtre tant que ce friand en garde l'entrée. On sera à l'intérieur. Cette fois, je suis un peu préparé. J'ai hâte de me venger de cette saloperie. Moi, le polymère, ça l'a vachement ralenti. Ou alors, c'est l'effet de l'électricité et du polymère. Alors, ça te plaît, boîte de conserve ? Il est vachement ralenti en fait. La pierre sur le théâtre, c'est étonnant noir. Mais je te jure que j'y ai pensé hein, au début. Hein. Degré, j'y ai pensé. Oh! Ah putain, je me fous dans le feu comme un putain de débile! Pour l'instant, là, j'ai utilisé que le. Que le pompe, hein. Et le truc électrique au début. S'il a été pris dans le truc.
La voix du héros, on dirait celle de Duke Nukem. Je sais pas du tout. J'ai jamais joué à Duke Nukem. J'ai l'impression que le polymère ça applique un ralentissement vénère sur lui. Et bah voilà! Enfin! Saleté de mes chouilles. Voilà. Quand on est bien préparé, voilà ce que ça donne. C'est plus mieux. C'est plus meilleur. Que balancer de la matière blanche sur l'adversaire, ça le ralentit. Ah, je savais que t'allais me faire un coup comme ça, zombie. Je le savais. Évidemment. La petite faciale. Écoutez, j'ai perdu un petit chiot. Il était à ma soeur. Elle l'a eu récemment et il est super gentil. Mais quand elle est morte, c'est moi qui l'ai récupéré. Il avait un jouet, une poupée que ma soeur lui avait donnée et qu'il emmenait partout avec lui. Personne ne l'aurait vu. J'ai oublié de l'enfermer. Il s'est enfui. J'offre une récompense à quiconque le retrouvera. N'en parlez pas à la direction des guerres. Merci d'arrêter immédiatement de fumer dans les coulisses. Je sais que la cigarette est autorisée. Ok. Je sais que la cigarette est autorisée dans le théâtre, mais 1. Seulement pour les VIP, et 2. Je ne supporte pas l'odeur du tabac. C'est bien simple, on se croit dans une gare. Si vous sentez encore la cigarette la prochaine fois que je vous croise, vous verrez de quel bois je me chauffe. PS, merci également de m'expliquer ce que c'était. Ces aboiements, je ne tolérerai pas d'animaux dans mon théâtre. Pourquoi sur l'autre plateforme, si je tombe sur des mecs qui font des trucs comme ça? Au secours! Un pélo qui est en train de me faire sa pub de son bordel. La vie est un incroyable voyage, j'ai rencontré de nouveaux amis, fait partie de l'aventure et ça le rend plus l'aventure plus excitante. Je te laisse un follow, tu peux m'ajouter sur Discord, machin, hein, c'est mon pseudo Discord. Je m'en tamponne le coquillard, mais d'une puissance. Camarade Papkin, je sais que vous êtes exprimé avec véhémence à plusieurs occasions au sujet de notre nouveau directeur artistique et je crois que nous sommes sur la même longueur d'onde. J'aimerais vous inviter à rejoindre un petit club que nous avons créé afin de discuter des changements aberrants qui nous ont frappé notre cher théâtre. Nous retrouvons après-demain soir. Cordialement, FS. FS. Futur suceur ? Soigneur, peut-être. Jamais été gentil avec moi. Elle, si. Quand elle me regarde, c'est comme si un flot d'énergie pure jaillissait de ses yeux et elle me comprend plus que les filles. De toute façon, ma décision est prise. Je la demande en mariage demain. Mais qu'est-ce que tu fous, Vassili? T'as décidé de bosser, oui ou non? Oh merde, j'arrive. Il veut demander un robot en mariage. Après tout, qui sommes-nous pour juger? Vous pourriez me dire où est Petrov? Hélas, non. Il n'aimait plus, je le crains. Je vous préviens dès qu'il recommence à le faire. Je vois. Ça veut dire qu'il le fera plus, donc. Cet enfoiré de mes deux se planque dans un coin, et il va y rester en espérant que les robots me butent avant que je le retrouve. Sachez tout de même qu'il connaît plutôt bien ce théâtre.
Il a donc de bonnes raisons d'espérer que cela arrive. L'espoir, c'est dangereux. Il risque de se croire en sécurité. Donnez-moi des infos sur le théâtre. Le théâtre Maya Plisetskaya a été fondé sur le site en 1948. C'était le premier théâtre du monde à avoir recours à des robots dans ce spectacle. Comme c'est le plus célèbre d'Union Soviétique, les billets sont difficiles à obtenir. Pointé. Ouais, en gros, c'est pour les nantis, quoi. Comme vous dites. Avant qu'ils ne soient entièrement robotisés, les membres du parti faisaient venir les meilleures danseuses d'Union Soviétique. Mais quand les artistes ont été remplacés par des robots, il a eu un tel succès qu'il est désormais plus facile d'obtenir un logement près du Kremlin que d'assister à un spectacle ici. Vous n'avez pas quelque chose de plus utile et de moins révoltant? Comme il fait partie du site, ce théâtre est, bien sûr, un établissement scientifique. Il mélange savamment art, commerce et études du comportement des robots et des humains s'y trouvant. Je n'ai aucune information militaire. Comment Petrov peut-il le connaître aussi bien? C'était l'une de ses zones d'activité avant qu'il ne soit déclaré traître à la mère patrie. Une sorte de marionnettiste nostalgique, quoi. Il a mis en place et testé les robots du théâtre, mais aussi programmé et étudié les interactions entre diverses disciplines. En un sens, Collective est né sur les planches de ce théâtre. Comment ce con a fait pour bosser ici? Il a été recommandé par le camarade Stockhausen. Tiens donc, quelle surprise! Sacré fumier, ces deux-là. Pardon, mais je ne saisis pas pourquoi vous mettez le camarade Stockhausen et ce traître dans le même panier. Attendez, comment Petrov a réussi à embobiner cette Chenov? C'est aussi ce rat de Stockhausen qui l'a recommandé au patron? Petrov a optimisé les protocoles de contrôle des robots, triplant la vitesse de chargement des données. C'est pour cela que Stockhausen l'a recommandé au docteur Sechenov. Il aurait clairement pas dû. Bon, allons voir ce qu'il en est. Peut-être que le robot est excellent au lit. Va savoir. Faites juste une chose, vous voulez bien? Trouvez ce fils de pute et butez-le, ok? Il a tué tellement d'innocents. C'est à vous, camarade major. Vous êtes là pour m'achever, chien. Alors venez, je suis tout à vous. Votre maître vous dit d'attaquer quelqu'un et vous lui sautez à la gorge. Je vais vous dire un truc. Je pense que la mienne ne sera pas... Charles, c'est quoi ça? C'est un piège. Putain de merde! Je vous aurai, Petrov. Attendez, Major. Je vais tenter de réduire la puissance. Même si je dois ramper pour y arriver, je chopperai cet enfant. J'ai réduit la puissance. Ça va, camarade Major? J'ai connu pire. Bien pire. Je vous jure qu'il m'échappe pas. On me spère. Pardon. Merde, quel con, c'est pas ça que je veux faire. Normalement, je peux ne pas passer par là. Mec ? Oh, on dirait une des jumelles ! Je meurs d'envie de le savoir. Bienvenue au théâtre robotique Maya Plisetskaya. Ça
salle de la première troupe mondiale de robots artistes. Eh, salut. Précommandez des claqueurs. Vos tickets pour notre grand spectacle, le cœur d'un robot, un atome pacifique. Eh, ça m'a pas l'air très pacifique, cette affaire. Frissons et émotions garanties. Une pièce pleine d'humour subtil, de batailles épiques, d'effets spéciaux prodigieux et de scènes émouvantes. Quoi, c'est tout ? Pas d'autres surprises ? Nous vous avons préparé une petite surprise pour commémorer le lancement de Collectif 2.0. Putain de méchoui, c'est quoi ? Vous allez personnellement prendre part au spectacle ! Cette danseuse a été reprogrammée. Comme tout ce qu'il y a ici, j'avais deviné. Qu'est-ce que vous espérez faire ici, Petrov ? Notre Natacha vous réserve une représentation explosive. Merde ! On sait comment ça va finir, tout ça. Bien, si vous me cherchez, je suis plus là. Bienvenue au théâtre robotique Maya Pilkouti. Très beau. Le feu d'artifice de Natacha est un spectacle que vous n'oublierez pas de sitôt. Premier degré, j'ai cru qu'il allait péter. Hein. Quel fascinant ramassis de conneries. Ciao. Le chagrin qui se tait murmure au cœur. Vachement gros lui, non ? Oh putain. Ça y est, oui. Dégueulasse.
Les ennemis n'ont pas froid aux yeux. Là. Aujourd'hui, Tokar. Partage le même sort. Que vous allez mourir, Major. Non, j'ai pas voulu te crever maintenant, tu vois. Pas trop, non. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre théâtre de robots. C'est le premier du genre et il est basé sur vos travaux. J'y ai apporté quelques modifications, bien sûr. Camarade Setunov, camarade Sakharov, suivez-moi. Quelle merveilleuse soirée, Dimitri. Quelle splendide représentation. Je propose un toast au Voskhod. La science n'a jamais été aussi proche du triomphe. Allez. Encore les claquements de doigts, ça m'avait manqué, dis donc. Pas du tout, c'est faux. Oh mais t'as grand... Ah putain, je crois qu'il allait m'en remettre un. Une société aussi florissante que la nôtre, d'où sortent des types comme Petrov? Bienvenue à notre
Oh non. Par contre, c'est possible de pas me faire bloc dans un mur, s'il vous plaît. Elle est où la salope là qui fait Oh merde toi. Allez. Putain, mais elle est où cette putain de plante de merde là qui m'envoie ses... Putain, au secours. Mais je peux pas m'occuper de 40 trucs en même temps, par contre, y a des limites à la connerie, s'il te plaît. Eh, c'est bon là, il n'y en a plus. Non mais ta mère la pute, par contre, à me bloquer dans un coin, s'il te plaît. Non mais eh, c'est une dinguerie. C'est qui me l'ont foutu celle-là, quoi. C'est bon, hein? Rien pu?
mais frère, je me bloque dans des trucs, c'est pas possible. Là j'ai plus de trucs de santé donc là c'est... Moi chacun a l'air de tuer de la gueule. C'est d'avoir des soins ou je peux aller me faire en foutre? Vous êtes là pour ça, non? Oh le bordel. C'est bleu ou je rêve? C'est qui est bleu. Ça, c'est marrant. Vous allez la ferme, saleté. Ouais, c'est qui est bleu, ce con. Ouais, c'est marrant. Tiens, je l'ai débloqué. Je voudrais de la vie si possible en fait. Mais il va la fermer sa gueule lui. Qui répète 40 fois les mêmes choses, ferme-la frère au bout d'un moment. Non merde, les poteaux derrière moi, tous les putains de trucs de décor, c'est chiant. Non, c'est pas déjà assez casse-couille comme ça de se frapper avec cette merde.
Ah mais filez-moi de la vie quoi, putain. Oh les rachots là. Putain les pixous frère. Pas du tout. Je suis pas dans la merde. Putain. Oh, les murs de brun. C'est toujours pareil. Prends ça, saleté. Putain, amen. Bestiole de merde. Merci. C'est de la merde ce truc. Oh, j'en ai plein le cul. Mais ta grand-mère, la reine des chiennes. Oh putain. Oh, le truc du rythme, c'est de la merde. Y'a aucune putain de logique. Y'a rien qui fait en sorte qu'on puisse savoir comment ça marche. À part ces putains d'effets lumineux. Oh, ça me gonfle. Oh, au secours. J'ai cru que t'allais crever et refaire en étant préparé. Ah, honnêtement, j'ai cru que j'allais crever. Hein. Je l'ai attiré dans un piège. Il peut plus s'échapper. Le docteur Filatova est-elle avec lui? Non, il est tout seul. Dites, je trouve que vous vous intéressez un peu trop à elle, Stockhausen. Vous tenteriez pas de trahir Petrov à cause d'elle, j'espère. Vous êtes allé trop loin, Major Petrov. J'exige que ces scandaleuses insultes cessent sur le champ. Et moi, j'exige que vous fermiez votre clapet et que vous arrêtiez de m'emmerder. Je suis là, sur ordre du docteur Sechenov. Sergeyevitch, je veux savoir quand vous livrerez Petrov. Il est coincé, votre petit protégé. Péter une durite. Dis-moi
m'observe avec les caméras, récite des poèmes et hurle comme un damné au micro. Je le chopperai vivant d'ici une heure maximum. Au moins cette fois, ne décevez pas Dimitri Sergeyevitch. Va te faire foutre. Inutile de vous comporter ainsi. Stockhausen n'a rien à se reprocher. Il essaie vraiment de nous aider. Bah voyons, il essaie juste de se taper la femme de Petrov. Une nouvelle arme. Victor, je dois admettre que vous avez du talent. Vous pouvez dire que vous voulez de vos 10 ans de particularités, vos compétences sont à délire. Vous pourriez écrire des manuels d'utilisateurs. Votre travail concernant le réseau neuronal et les robots, vous savez. Je n'avais encore jamais remarqué que vous aviez de telles capacités. Aussi, je vous le demande, quel est votre secret? C'est votre nouvelle dulcinée qui vous donne des ailes. Cette expression, derrière chaque homme, derrière chaque grand homme, il y a une femme, ça me fascinera toujours. Par contre, on ne dira jamais que derrière une grande femme, il y a un homme. Jamais. Notez que ça ne me regarde en rien, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Je vous ai dégoté une jolie promotion, pardon. Pourquoi une nouvelle merde, quoi? Il y a à travers. Nous fêterons votre nouveau poste dès que vous aurez configuré les échanges de données avec les nouveaux neuropolymères de Pavlov. Je vous dois une chope de votre bière bavaroise. Espérez. Merci de votre message, Michael. Ça me va droit au cœur. Sachez que je n'aime pas beaucoup me vanter et vos louanges sont un peu prématurées. J'ai effectué une analyse et je crois pouvoir configurer, pas améliorer en revanche, le réseau neuronal. Du reste, cette chaîne off m'empêche systématiquement de modifier les fonctionnalités. J'aimerais avoir la possibilité d'épurer le code. C'est vrai qu'on en parle en privé. Victor, j'ai réfléchi à ce dont vous m'avez parlé. Cette chaîne off ne semble pas comprendre l'intérêt de la chose. J'aimerais vous voir pour discuter des mesures à prendre demain à 15h au jardin botanique. On va parler à personne et nous discuterons ensemble de votre brillant avenir. Il y a une femme derrière toi? Absolument pas! Il y a un Winter, mais c'est tout. Oui, c'est moi. On va dire que c'est pas trop une femme, quoi. Ici Stockhausen. Victor a confessé avoir il fait le taf, une femme. Ça va venir un grand nombre de fidèles dans le but de détruire un problème en face à Magé, non? Oui. Voilà. En vrai, dans le gratin, tu mettrais pas la dinde et l'ardon. Envoyez le service des corrections. Avec un peu de parmesan et le gré à gratin. Enfin, le fromage gratin. Le jambon, mon connard. Ah. En temps, j'ai l'air vachement de le voir là où t'en es. De quoi? Ah, il a tourné. Vous avez dit, hein? Peu importe le sens dans lequel je le ferai, ça marchera jamais. Ah si, putain, je... Mais connard! Derrière chaque grand homme se cache une femme, donc personne
Air passe partout. Oh là. Tiens-moi ça, tu veux bien? Après je vais essayer de trouver un point de sauvegarde puis on s'arrêtera là. Ok, passe à mon gamin. Et ben voilà, un point de sauvegarde. Accès autorisé. Winter, derrière toi, on peut dire que Winter is coming. Pas trop, non. Hein, quoi? Non, rien. Qui a fait une blague? Et zombie. Vous êtes maintenant. Espirito de la tine. Logique. Si qui n'est rien là-bas. Autorisation. Assez-vous. I'm by the by the last. Pour accueillir. Pignota. Assez-vous. Fighting the night. Pour finaliser ce nom. Et voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Hop. J'espère du coup que ce nouvel épisode de Atomic Heart vous aura plu, c'est qu'elle s'est pas mal façonnée comme d'habitude. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas forcément regardé la rediff hier, pour le planning du coup, demain on ira sur Need for Speed Underground 2 et vendredi on ira sur le serveur This is the Craft avec deux personnes en plus, donc on sera 7 au lieu de 5 et samedi l'épisode 5 de la saison 2 de la Quête des Plaisirs. Voilà. Merci à tous ceux qui sont venus et qui étaient là en lurk. C'est quoi ça? T'as fait une connerie encore. Laisse-moi deviner, t'as sali ton tweet. Il a encore sali son tweet. C'est quand que t'arrêtes tes conneries? Pas possible. T'as fait? Bah dis pas que tu l'as secoué comme un putain de débile. Non mais quand ça a été dans le plan. Bah là la sauce tomate c'est mort hein. La sauce tomate c'est mort hein. Tu pourras faire tout ce que tu veux, la sauce tomate là c'est mort hein. Bref, ouais. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée sur laquelle vous regardez cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Des bisous à tous et à la prochaine. Dis au revoir. Non. Dis au revoir. Des bisous. Le char.